Facebook et Instagram vont-ils fermer leurs services sur le continent européen La menace a été brandie par leurs dirigeants, est-elle sérieuse On vous explique. Cette menace est formulée dans le rapport annuel de Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, un rapport obligatoire adressé chaque année donc aux investisseurs. Le groupe a comme toutes les entreprises cotées en bourse une obligation en tout cas légale de divulguer les risques importants à ses investisseurs et c'est ce qui s'est passé dans le cadre d'une lettre qui a été remise en fait aux différents investisseurs du groupe et précisément dans ce document Meta avertit ses partenaires il nous sera probablement impossible de fournir en Europe certains de nos produits et services les plus importants y compris Facebook et Instagram Meta envisage ce retrait de Facebook et d'Instagram à cause d'un sujet crucial, la captation des données numériques personnelles des Européens et leur utilisation par des entreprises aux États-Unis. Mais selon la plupart des spécialistes, Meta aurait beaucoup à perdre s'il mettait ces menaces à exécution. Que Facebook se retire d'Europe est plus qu'improbable, à commencer par le fait que ça représente un quart de son chiffre d'affaires et que Facebook sort d'une très grosse déconvenue boursière. Facebook n'a pas les moyens de se retirer d'Europe. Au cœur du sujet, le respect de la vie privée des Européens. Et à vrai dire, on sait depuis l'affaire Edward Snowden que cette protection des citoyens européens n'est pas garantie quand ces données sont récupérées par ces grandes entreprises de la tech aux États-Unis. Depuis 2013, on fait semblant de ne pas prêter attention aux révélations d'Edward Snowden. On sait depuis 2013 que les données des citoyens européens sont utilisées par les services de renseignement américains. La CIA a affirmé devant le Congrès qu'elle continue à le faire. Et même l'apparition en 2016 du RGPD, le règlement général sur la protection des données, n'a pas changé grand-chose. Ce règlement est censé encadrer la manière dont les entreprises gèrent ces données personnelles. Et on sait aujourd'hui que globalement, les dirigeants des grandes entreprises de la tech n'en tenaient pas compte et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Souvenez-vous, quand, quand Facebook a racheté WhatsApp, ils ont promis aux législateurs européens qu'ils ne fusionneraient pas les données de WhatsApp et de Facebook. Et puis ils l'ont quand même fait. Car il faut, coûte que coûte, Collecter ces précieuses données personnelles. Elles sont vitales pour pérenniser les revenus de ces entreprises à travers le ciblage publicitaire. La rémunération, elle se fait à 98% par la publicité. Le groupe Meta, composé donc de l'application Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, même si Oculus et toutes les autres solutions, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs chaque mois sur les différentes plateformes. 2 milliards d'utilisateurs, c'est donc autant de données personnelles exploitables. Les pratiques américaines, on l'a vu, ne sont pas compatibles avec le droit européen, mais en France, on essaye de faire bouger les lignes. La CNIL, le gendarme des données personnelles, vient de mettre en demeure il y a quelques jours un gestionnaire de site web qui utilisait Google Analytics. La CNIL juge l'outil de mesure d'audience de Google peu sûr, lui aussi opère des transferts de données vers les États-Unis.